Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer une bonne carte mentale. Alors, carte mentale, nous allons carte mentale de français. En anglais, c'est mind map. L'arabia, c'est kharaat al-dhihn. Alors, la sourate que vous avez vous présente kifash na'mlou une carte mentale à la qa'da fiha. الو باش نبداو نقراو الكارت مونتال تاعنا نبداو بالكوتي او ادوات يعني على اليمين من الفوق كيما عقارب الساعه نبداو بالباتي الاولى اوزاج يعني فاش نستعملوا هالكارت مونتال ليش تصلح كيما قدرتوا تشوفوا ساعه اورغانيزي لي زيدي pour mener des recherches pour faire un plan de rédaction la oral prendre des notes en cours lorsque vous assistez à une conférence ou à une émission ou à une soutenance bien sûr ou à sur un document pour prendre notes lors de la lecture c'est un bon moyen aussi lors de la révision pour résumer et mémoriser les informations un deuxième point très important le carte mentale normalement on a dit mal un papier blanc à l'horizontale qui m'a chauffé à 4 il n'a jamais qu'une dimension inférieure à 4 à 3 donc ça dépend un petit peu le besoin mais d'abord notre point papier à premier comme des chiffres à horizontale je mets les zones assurées mais je suis plutôt un peu pour la salle de comme mais je connais mon jour justement parce qu'il m'a chauffé au carte mentale tu as déjà barche à tout ou barche à des couleurs je me tiens على الميموريزاسيون تكون اسهل بالنسبه للزيو اي لو سيرفو بتاعي اي ما نساوش سورتو البابي اسمو بلان يلزم ان بابي بلان با كولوري اي بي ان اوتر بوين هي ليدي سنترال دونك يلزم الكارت مونتال تكون او سنتر دو بابي كيناه على الهوريزونتال لهنا ليدي سنترال لازمها تكون او كور او كور دو بابي او سنتر Donc, il y a un titre en tant que carte mentale. La mode a un cadre. Il y a un cadre géométrique ou elle a n'importe quoi. Mais il y a un cadre significatif par rapport au sujet. Il y a le cadre en terme, il y a un ouvert ou elle a illustré. Et surtout, il ne faut pas mettre une idée centrale trop grande par rapport au papier. Mais quelqu'un n'a pas les données locales. Ensuite, je chauffe les nez, une branche pour signifier que les différentes parties de la carte mentale, en fait, c'est un ensemble de branches. Déjà, je chauffe la couleur elle est en marron relativement les branches des arbres. Les branches, elles sont rayonnantes, visibles, originales. Je chauffe les nez, l'exemple de Rodin, on a des branches très très originales. Les branches internes qui m'apprennent les deux les deux en haut à droite, sens de l'aiguille de la montre, et sous le principe d'une arborescence. Elles doivent être visibles, horizontales, je trouve le texte, les mots, elles sont écrites à l'horizontale, sur une branche horizontale. La taille du mot et la taille de la branche, pratiquement, ils sont égaux. Donc, après, il ne faut pas dépasser ni trop laisser d'espace. Et pourquoi le principe de la branche, justement, c'est relatif au cerveau humain, les cellules humaines, le khali et la rassabia, chaque mentéha, et chaque ébatana barcha, ou chaque mentéha, une carte mentale. Vous voyez que vous avez un assez petit cadre, peut-être un normal afkar, puis chaque carte mentale. نكملوا في لو ميم سونس دو ليغوي دو لا مونتر نشوفوا لهنا لي برونش اوريجينال هنا عندنا لي مو كلي لي مو كلي لي بلوز امبورطون ايفوكاتور الوغ فو فوي دي ديسان هنا لي مكتوب مو افيك لو او سو فورم دو كلي اي ايكري دون سيت برونش اون ان بار برونش دونك لا اون ا با نورمالمون اون فودري دير ان مو بار برونش Je peux faire la pétition de carte mentale via Madame Mouche, puisque déjà on a écrit le mot ici, donc c'est pas la peine. Et bien sûr, les mots devraient être visibles.
Alors, le principe de mots-clés, c'est en bref l'inverse de la recherche sur Internet. Donc, finalement, on recherche sur Internet. On commence par le mot-clé pour trouver des paragraphes et des textes. Là, on va faire l'inverse. On va partir des paragraphes et des textes pour arriver aux mots-clés, aux mots évocateurs les plus pertinents, les plus importants dans la partie. Éviter les répétitions des mots, du même mot, éviter peut-être remplacer aussi les mots par des symboles et des images, et ce sera la partie suivante. Voyez la branche image, elle est faite sous forme de pinceau, donc relativement à la peinture, bien sûr. Donc les images, en fait, ce sont des codes évocatrices pour expliquer la partie en question. Voilà, ici. Vous voyez ici l'ampelia. C'est pour dire que l'image, c'est une image évocatrice. Elle va éveiller la mémoire. Donc, le cerveau humain, il va capter en premier lieu les couleurs et les images. Donc, avant même de restaurer les informations, les détails déjà vus ou consultés dans le cours, voilà, dans une conférence. Donc, les images, je vous prends sous forme de symboles, de dessins, de photos. Elle n'est bien sûr pas la peine d'être vraiment un vrai artiste pour dessiner. Là, je vous prends des dessins internes, simples, pas chers ou pas trop parfaits. Mais ce sera des codes avec lesquels, tout simplement, je comprendrai le contenu de mon cours. Voilà. Dernière partie de cette carte mentale, c'est la partie couleur, mise en valeur. Donc la mise en valeur avec les couleurs, les formes, les cadres, les branches, les reliefs, les ombres, les effets, les lettres, les couleurs. Donc vous voyez ici la mise en valeur, déjà c'est une branche originale. Vous remarquez une chose, que les branches, les différentes branches, elles sont épaisses en premier lieu. Et puis, pour ma part de votre thème, tout à l'heure, les branches internes, déjà qui m'a les branches d'un arbre. Donc le tronc et Berchim, en bas, des branches, le en bas, je l'ai dit. Et donc, c'est l'idée principale, elle a des idées secondaires, elle a des autres correspondantes à l'idée secondaire. Bien sûr, l'illustration avec images, ça permet d'expliquer que c'est très important d'utiliser des couleurs, des lettres, peut-être en correspondance avec le sujet en lui-même. Il y a par exemple, je suis dans un cours Histoire Géo. Et il s'agit bien sûr par exemple, d'une zone maritime, la zone de désert et tout, donc à la Sahara, ou la Rabat, ou le Kader. Donc, Sahara, c'est une couleur en jaune, ou le Rabat en vert, ou le Bihar, le Mouhitat, c'est une couleur en bleu. Par exemple, je trouve le Maroua, une couleur, je vous en donne la signification. Voilà, هكا نكونوا كملنا مع الكارت مونتال نتاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لو برانسيب دو لا كارت مونتال. Essayez d'être créatif, essayez de faire de l'ambiance في اللي تختاروا في لي كود نتاعكم, في لي مو كلي نتاعكم. هذاك الكل سافا فو زيدي ا ميموريزي تو لو كونتوني دو فوتر كور او دو فوتر دونك ريشيرش و اورال ريداكسيون. Merci et à bientôt. Au revoir.